Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you write me down? So I can make you give it up till you say my name like a jersey. Shut down the game, be my head coach. So you can and never take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad I just wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. Can you give me up like I'm late from my first class? So I can give it to you all like a first draft. Non mais on peut continuer tout droit. Non. On a commencé, on termine. Ouais. Je préfère qu'on continue tout droit que vous cassez les gars. Allez, c'est de la putain de foudre. Oh, moi je m'arrête. Malin. Allez, c'est bien les gars, allez Kevin! Allez! Allez Enzo! Ouais! Allez, c'est de nous prendre tous! Bah alors, Mathieu? Petit coup de mou? Un petit coup de mou, Mathieu! Tu as largement le temps là! Tu peux même ralentir! Mais oui, toujours le beau gosse, mais bien sûr! Oh, toi, t'es dans la boîte. Attention! Tape! Tape! Putain, il m'a tué l'anguille! Allez, belle bagarre! Ouais! Belle Mathias! Belle Mathias! Mais non! Vas-y, Mathias! Bien, Mathias! Bien! Allez, Théo, allez! Tu utilises un seul ski! Mais tu pars bizarre, toi! Alors la punition, c'est de descendre sur un seul ski. Bah là Théo, t'as du mal avec ton ski? Si, t'es très beau comme ça. T'es très beau. Souris un peu les gars. Ouais. Alors ça consiste à se remettre sur les skis et essayer de distancer son collègue. Allez Kevin, allez les gars, on glisse. Ça va monsieur Gauthier? Allez Enzo.
Elle est belle, elle est belle. Non mais si vous avez pas le droit. Non 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 non, c'est pas bien ça. Monsieur la belle. Oh, ce sera... Si. Presque, presque Théo, presque. Allez, c'est bien les gars. On a battu un cet été là-haut. Là, ils avaient des battues au cerf à faire. C'est une réserve de chasse derrière. Tout l'automne, ils n'ont pas vu de cerf parce qu'il y avait des attaques. Il y avait des cerfs qui étaient par terre, qui étaient bouffés par le loup. Donc, ouais, il y a une présence, une forte présence de loups. Hein. Mais quand ils sont en pâturage, je peux pas emmerder. Et bah, du coup, le rôle des chiens, c'est de les protéger en pâture. Ils arrivent vraiment à les protéger contre les chiens. Ouais, pour l'instant, c'est pas fait attaquer. Et après, elles sont en parc. Elles sont en parc électrifié quand elles sont au berçant, elles sont groupées deux fois par jour au moment de la traite. Et après, quand elles sont à la montagne, il y a une bergère qui garde. Et... Là, ça fait le tas, la nuit. Comment arrive l'eau à l'enneigeur? Par les canalisations. Ouais, les canalisations.
des canalisations, avant les canalisations, l'eau elle passe par où? Par exemple, par la réserve. Ouais, entre la réserve elle serait là alors. Voilà, par la salle des machines. Donc comme on peut voir ici, donc la salle des machines de Chalier. Les pompes ici, elles seraient où? Voilà, donc les trois derrière. Donc chacune des pompes a un débit de 90 mètres cubes d'heure pour cette salle des machines. Dans d'autres salles des machines, c'est pas le cas. On en a plusieurs. On en a au total 5 salles des machines. Donc on a la dernière sur le secteur de Bellasta, Péchette. Péchette l'année passée. Où là, on a deux pompes seulement. Mais chacune des pompes a un débit de 200 mètres cubes d'heure. Non, 400 mètres cubes d'heure. Donc ça fait, si on fait tourner les deux en même temps, ça fait 1800. Donc c'est bien plus que ce qu'on peut retrouver ici, les trois pompes. On doit être aux alentours des 20 kg. Regardez sur la platine électrique, mais ouais, ça doit être. On doit être entre 15 et 20 pour le kilo. Ouais. C'est des belles machines. Donc ça c'est pour l'eau. On passe à des machines de pompe. Et la retenue. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre aussi pour faire la neige, on a dit? C'est l'électricité. Donc l'électricité, elle arrive d'où? Non, ça c'est pas des génératrices. Non, elle arrive du réseau EDF. Donc d'un transformateur qu'on a juste là derrière la porte en ferraille. Et ça arrive directement du réseau EDF. Donc l'éveil. Quand vous avez hésité, ouais, les biens que vous avez hésité, c'est tous les systèmes Beaufort. Il est tout solaire en Beaufort. Nous, on n'a pas la même logique. Donc, on est installé, il y a eu pas mal de changements cette année. On était installé, on s'est installé en 91 avec ma femme, on a repris la ferme de sa mère. Au départ, on était en chèvre et en vache. On a gardé 3 ans les chèvres et vaches, après on est passé qu'en vache. Et nous, contrairement aux autres que vous avez visité, nous, on fabrique toute notre production. On est au temps coopérative, on fabrique toute notre production. Donc, reblochons, une idée si j'ai trop envie. Fromage à raclette. Et un fromage qui s'apparente au Beaufort qu'on a appelé cœur d'Aralie, parce qu'on le fabrique en alpage, donc on est en alpage des Aralies. Et puis voilà. Puis là on commence à diversifier et on va faire un petit peu de viande, un caissette, une viande de veau, on va faire du bourget. Donc votre bâtiment où il y avait les chèvres, vous l'avez transformé on l'a provisoirement transformé pour mettre des bêtes. Et puis quand je vous disais qu'il y a pas mal de changements, ici. C'est qu'on a notre fils qui s'est installé là au 1er novembre avec nous. Qu'est-ce que tu disais? Donc on était en ARL avant, on est passé en GAEC. Donc GAEC peut être du Tora. Vous allez voir sur Facebook, il est pas le chien. Voilà, donc et puis le gros truc c'est que 2020, on a un projet, on a le permis pour un bâtiment juste en dessus. Là. Donc on va faire un bâtiment neuf avec pour 35 laitières. On ne veut pas augmenter beaucoup plus le troupeau. En ce moment, on a une petite trentaine de laitières. Bonjour. On ne veut pas augmenter beaucoup plus. On veut axer sur la vente directe après. Enfin, bon, plus qu'aujourd'hui. Donc, ça 35. Donc, là, on va faire le bâtiment avec les tables, les locaux de fabrication, un magasin de vente, des caves enterrées dans la butte, une salle de réception pour faire des visites, et puis éventuellement des casse-croûtes. Voilà. Et le bâtiment là, il va finir. Le bâtiment là, il servira pour les génisses. Parce que, donc, on a une trentaine de laitières de race abondance. Avant, on était 100% race abondance. Là, on a notre fils Thomas qui est passionné par la race tarine. Donc, il a rentré des tarines. Les plus belles vaches. Voilà. Après, il ne faut pas toujours dire non aux jeunes. J'ai laissé faire. Et puis voilà, on va voir, ils sont peut-être un petit peu moins laitières, on verra. Après, on est passionnés tous les deux de sélection, donc ça devrait aller. On va faire. Voilà, donc la particularité par rapport aux fermes que vous avez déjà visitées, c'est que nous on fabrique.
Les autres font leur foin parce que dans le cahier des charges du Beaufort, c'est obligatoire. Nous, c'est pas obligatoire. Donc, on achète tout notre foin. Vous n'avez pas beaucoup de terrain ici? Non, on a peu de terrain ici. On a, en bas, on a 6 hectares. Et en haut? Après, on, l'été, on va en alpage. Contrairement aux enfin, si, les gâchés, ils ont les autres un peu moins. On a un alpage vers le col des Aravis, donc on a 50 hectares. On a justement, on l'a installé, c'est un peu compliqué. On a loué une étable sur la commune d'à côté. On a les génisses, ils ne sont pas sur place. Quel est le prix de votre bâtiment que vous allez construire? Horriblement cher. C'est-à-dire? Ben, ça passe au million d'euros. J'ai dit. C'est un million d'euros le bâtiment. Quand ça sera tout fait, les salles de fabrique et tout, c'est, ouais, c'est plutôt plus près d'un million trois que d'un million. Ça, c'est ça. Moi, ça me fait un peu peur. Les jeunes, ça leur fait pas peur. Je pense qu'en vieillissant, il y a un trouillard. C'est possible. Bah, vous en pensez quoi? Après, on a une valorisation du litre de l'air. Il y a des risques liés à la fabrication, il y a tout ce qu'on veut, mais des risques, il y en a partout. Hein. Je vois, ils vous ont dû, ceux qui livrent en Beaufort ont dû vous parler du prix du litre de lait. Ouais. Nous, en fabriquant, en faisant de la vente directe, on va être à, si tout va bien, on devrait passer les 1200 euros la tonne. Pour que, enfin, l'idéal, enfin, l'optimum, ce serait 1500 euros la tonne. Après, voilà, on va avoir 35 laitiers. En moyenne contrôle laitier, bon an, mal an, on est entre 6500 et 7000 kg de lait par vache. Trop. Hein? Non, parce qu'il y a des charges. Contrairement aux Beaufort qui sont limités en production. Oui. Donc nous, on est un peu. C'est combien 6500 et 7000. Après, on cherche pas forcément les coûts plus hauts en quantité de lait. Ce qu'on veut, c'est la qualité. Plutôt matière grasse, matière protéique et leucotique. Oui. C'est quoi la ratio des vaches? Ration, l'hiver, c'est foin et regain. Et puis on a un complément, on a un mélange, on a un nutritionniste, enfin notre boîte d'aliments, et elle a un nutritionniste qui passe, qui fait des analyses de foin, et il nous adapte un complément en fonction de la qualité de notre foin. D'accord. Donc c'est un mélange céréales, voilà. Et c'est plus énergétique ou protéique? Plus énergétique. Après, on a 10 troupeaux, ils sont en attache. J'ai envie de dire, c'est un peu un régime particulier pour chaque vache, on les connaît. Quoi? T'as vite? C'est pas comme une gars qui a 100 vaches. Voilà, pour ce qui est. Après l'été, elles sont en pâture, et puis pareil, il y a un complément de céréales. Après, il y a des choses qui vont vous paraître sûrement qui vont vous faire rire. Hein. C'est qu'on soigne 95% des soucis par homéopathie. Donc c'est plus remboursé. Hein. C'est plus remboursé, mais c'est pas grave, parce que ça va bien. Ah, ça marche, vas-y. Ça fait combien de fois, monsieur? On soigne par homéopathie, c'est 95, 90, 95. On va lever tout. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de problème éternel. J'entends. On n'a pas de délai d'attente quand de, voilà, sur le lait. Et puis la première chose, c'est que si on a tapé sur le bon produit en homéopathie, une heure après, ça commence à faire effet. Si ça n'a pas fait effet, c'est qu'il faut voir d'autres copies pour changer de produit. Et c'est, ouais, je trouve que les avantages. Après, même au niveau des prêts et tout, on va faire notre engrais. On va arrêter l'heure de chine. On ne veut pas passer en bio, hein, du tout, mais on veut raisonner le truc. Ouais, deux projets. Yes! Salut! Attends. Meilleur pomme à terre de. On a aimé faire! Ok, on voit du gros, les choux. Un beau charlotte. Meilleur pomme à terre de la MFR. Tu veux, t'aimes bien.